Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Eh bien aujourd'hui, on va faire juste une petite vidéo pour voir comment on peut faire cuire des spaghettis dans notre Cookeo. Parce que ce sont des questions, c'est une question qui m'est souvent posée. Et effectivement, il y en a parmi vous qui ont un peu de difficultés. Donc voilà comment je fais. Donc là j'ai 300 grammes de spaghettis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai rincés sous l'eau. Je les ai coupés en deux. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre eh bien, dans la cuve de mon Cookeo. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Alors pour la quantité, moi je sais pas en fait. Je fais tout simplement comme ça. Je recouvre mes spaghettis d'eau. Je vais en rajouter par ailleurs. Voilà, il faut que toutes les spaghettis soient bien recouvertes. Voilà, alors après, si vous voulez, vous pouvez tout à fait rajouter un cube de bouillon, hein, de légumes par exemple. Et puis maintenant, on va passer à la programmation. Alors, pour le temps de cuisson, c'est simple. On se met en cuisson rapide ou en cuisson sous pression. Et moi, je regarde le temps indiqué sur le paquet de pâtes et je divise par deux. Là, c'était des spaghettis 10 minutes. Je vais mettre 5 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. Allez, la cuisson est terminée. J'ouvre mon Cookeo. Allez, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais égoutter, bien sûr, mes pâtes, comme si j'étais avec un faitout. Et eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à servir mes pâtes avec une viande ou un poisson de mon choix. Et eh bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres astuces au Cookeo.